Alors, maintenant qu'on a notre croix blanche, le but va être de replacer les coins blancs à leur place. Alors, première étape, repérer les coins blancs. Alors ici, il y en a un, voilà le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors, il y a quatre possibilités pour replacer les coins blancs. Alors, première possibilité, le coin blanc se trouve en bas à droite. De la face qui est juste en face de nous. Donc, par exemple, celui-ci, les couleurs sont blanc, orange et bleu. Alors, ici, il est bien placé. Le but, c'est de toujours le placer vers l'étage vers lequel il se dirige. Donc, on va appliquer la formule droite, face inversée. Droite inversée et face. Alors voilà, donc on a replacé notre coin au bon endroit. Alors maintenant le deuxième cas. La gommette blanche se trouve sous le cube. Alors pour ce faire, on va repérer les couleurs et replacer le cube au bon endroit. Alors voilà, ici, donc blanc, vert, orange. Blanc vers orange, ça veut dire qu'il doit remonter jusque là. Alors, il se trouve en dessous, donc on le met en bas à droite en dessous. On applique la formule droite inversée, bas inversé, bas inversé, droite et bas. Voilà. Donc notre cube, notre coin, pardon, s'est bien replacé. Maintenant, il est à gauche de la face qui se trouve en face de nous. Donc, c'est le troisième cas possible. Donc, pour faire ça, on fait comme le premier cas, sauf qu'on le fait à l'envers. Alors, il va devoir remonter jusque-là. Alors, on le met à gauche. Et on applique la formule. Gauche, inversé, face. Gauche, face inversée. Alors voilà, on a replacé le deuxième coin. Alors maintenant, par exemple, celui-ci, c'est le premier cas. Donc on va faire comme tout à l'heure. On le replace en face des parties où il doit se trouver. Voilà, il doit remonter jusque-là. On le place en bas à droite. On utilise la première formule, droite, face inversée, droite inversée et face. Alors voilà, on a replacé le troisième coin et maintenant le quatrième. Ici, on est encore dans le premier cas, donc on réapplique la première formule, droite, face inversée, droite inversée et face. Alors en fait, le quatrième cas possible, c'était que la gommette blanche se trouve sur un coin, mais pas au bon endroit. Donc, je vais essayer de replacer pour qu'il soit mal placé, par exemple. Voilà, ici par exemple, la gommette blanche se trouve en haut. Et on veut la... Et elle est mal placée, hein. Donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la redescendre. On la place sur la droite pour qu'elle regarde vers la droite. On applique la formule droite inversée, bas, droite, et voilà. Donc là, la gommette est redescendue. Et ici, c'est un coup de chance, mais parfois elle se remet pas au bon endroit. Donc, on la replace en premier lieu au bon endroit. Ici, elle se trouve à gauche, donc c'est le troisième cas d'erreur possible. Alors, on va appliquer la troisième formule, donc gauche inversée, face, gauche et face inversée. Et voilà, on a replacé les quatre coins blancs et on a fait notre premier étage.